Je m'appelle Emmanuel Doran, je suis comédien depuis 20 ans et j'habite Fribourg. Le projet que je fais ici, c'est du théâtre de rue pour fenêtre. Donc j'ai eu l'idée de monter ce projet pour les EMS, jouer devant les bâtiments, les résidents restent dans leurs chambres et nous, on fait de la pantomime à l'extérieur. La pantomime, c'est l'équivalent du théâtre forain à l'époque, sans parole. On va travailler en improvisation. Et on va surtout se focaliser sur le visuel, avoir des personnages hauts en couleur. Chaque comédien vient avec l'idée d'un personnage et s'attribue un costume. C'est le comédien qui choisit, moi je ne peux pas choisir pour le comédien. Mais le comédien vient avec une idée de personnage et habille son personnage. J'ai sélectionné mes comédiens en faisant des auditions et je ne choisis que deux comédiens, en l'occurrence des comédiennes. Qu'est-ce que j'ai regardé chez elles ? Particulièrement, c'est l'efficacité dans l'improvisation. Comment elles sont capables d'entrer tout de suite dans un personnage sans passer par 20 heures de répétition. Comment je puise mon inspiration? Je dois dire que tous les jours, j'essaye d'imaginer quelque chose sur une place. Dès que je marche, je pense théâtre, de toute manière. Donc, ça peut être n'importe où, hein. J'ai participé à un spectacle pour les Rencontres folkloriques de Fribourg, j'avais 4 ans. Une place importante. Le dernier caravansérail d'Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil. La vieille ville. Le plaisir. Achille dans l'Iliade de René de Sand. Pensée. Bon spectacle.